On se retrouve pour l'extra stage, bien sûr. Petit extra stage de King Alder Reign, la story qui est en cours. On est parti. Premier boss, dégâts de terre, pas d'LB et kill avec une chimère. On vient d'essayer d'une fois, mais on l'a raté le kill de chimère à cause du fait qu'on n'était pas avec le Bahamut ou une chimère qui est assez lente en termes de dégâts. Ce qui a été problématique. On s'imbute terre. On fait des dégâts. En vrai, je vais peut-être même faire ça et ça pour les deux. Un buter. Je voudrais déjà être roi. Bien vu ça. Alors, un. L'autre. Oh, on a récupéré vraiment beaucoup d'ordre. Ça, c'est cool. Taunt. Ici. On break. Pourquoi la terre? Parce qu'il a déjà moins 50. Et là, on joue tout sur les contres de Charlotte. Contre, contre, contre. C'est ça qui va donner les ordres. Si vous avez Echo, si vous avez d'autres unités un peu DPS et en même temps donner les ordres d'invocation. D'invocation, faut y aller. Hein. Morgana, tout ça. Unité qui va être très intéressante. Alors, par contre, tu me fais mentir là, Charlotte. J'avais dit comme quoi les contres allaient donner des trucs et tout, non? Bon, d'accord. D'accord, on le prend comme ça chez toi. Bah, c'est super. Là, j'ai un HP. On fait juste taper. Je te donne le temps d'aller faire un sandwich, déjà ça. Oui. Avec tous ces cons. Badam bam, badam bam, badam bam. Allez, yes. Après, là, si elle donne pas tout de suite les orbes, c'est bien. Comme ça, les King Reign ont le temps d'avoir leur sort surpuissant de SR. Ah, Bloody Moon, c'était abusé. 500 lapis, grâce à la roue des pubs, bravo. On break tout ça. On remet à coup de soin, donc eux, ils l'ont. Ah si, ils l'ont. En vrai, on aurait pu avoir tout de suite, alors. C'est bien. Allez, là, il faudrait la chimère. Moi, j'ai fait la step. Et j'étais très mal, je pense. Allez, on a tout pour Bahamut. D'autres on fait là, toi. Ça, 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 Bahamut. Il est break, on est parti. Il a 45 000, donc ça, c'est bien le hit de Bahamut, ça c'est sûr. Là, on devrait être OK. J'ai trouvé plus value avec le AOC garantie, ouais. Après, il faut voir la chance. Si au final, tu arrives à avoir Reign quand même dedans, c'est bien. Et le premier extra stage est bon. Step et 2 avec Reign, ouais, voilà. C'est la luck, en fait. Hein. 20k quand même pour l'avoir. On va juste prendre les 6 potions. J'en ai pas besoin de plus, j'ai tout terminé le contenu. Colle une chimère, faire des dégâts de feu, kill avec de la magie. Donc cette fois-ci, on va utiliser. Ah tiens, d'ailleurs, je suis pas en 100% esquive, j'en y pensais. C'est vrai que j'ai enlevé un Ring of Lucci. Mais on va le faire au Ring of Lucci, bien sûr, celui-là. Ou au double. Double Ultima de la petite. Mais malheureusement, encore une fois, on doit attendre quoi? La fameuse chimère. On peut LB. Donc cette fois-ci, on va LB ici. Là, je sais pas du tout. Donc on va cover les deux.
chercher les infos pour breaker. On scinde du feu. Alors voilà, là on commence à être en galère de PM. Tac, résistance élémentaire. On peut faire que ça alors. En fait, ce qui me fait peur, ça peut faire mal. Voire trop mal. Ah, vous voyez, hein, il est pas break. Hein. Heureusement. Il est up en magie. Pourquoi pas? On peut avoir des morts. Hein. On doit juste call magie, une chimère. Donc le problème c'est que là, bah, la chimère, bah, il faut l'avoir. Ah zut, je peux faire qu'une fois. Moi, j'ai eu que les AEC garantis. Ouais. Non, elle va donner les PM. Plutôt. Comme ça, on peut régénérer là. Et comme ça, ici, on fait pas de bêtises. On auréole. On dispel. Pour break avec lui. Et si on se remet en cover. Après ça va, hein. Le SR donne pas mal d'orbes là. Donc même si Charlotte dead à chaque fois. Ah là par contre il touchera pas. Faut pas rêver. Donc lui-même c'est dispel. On a pas la chimère. On s'est un peu casse-couille lui. Un peu trop casse-couille même. PM et ça. Ah yes. Donc là c'est juste colle une chimère. Les dégâts de feu ont été faits. Et après, il faut plus avec la magie, donc on colle ça tout de suite. Il a peur de la lumière. Et bah écoutez, full break. Je pense que je vais être désolé pour lui, hein, mais... Voilà, le kit de la magie. Désolé, hein. Fallait bien envoyer le pâté. Fallait bien envoyer Rain, là ça commence à être long. Ça devait être chiant à devoir attendre des chimères. Ah, le bâton de Citra, Volcar, maillot de bain, hein, qui est juste OP sur un healer. Quand il faut aller chercher des chimères, ça accélère vraiment le mouvement. C'est ça. Bah, Galuf, je l'ai. Hein. Galuf, je l'ai. Et foudre de LB, et pile avec une LB. Donc, on a juste à setup l'élément foudre, chercher sa LB, à King Rain, et envoyer la sauce directement. On va se mettre en même temps, on a un du feu, puisqu'il y a un impéril à 120 grâce à la LB. Mais ouais, il y a juste Lena qui manque. Officiellement. Non. Feu. Foudre. Remplissage d'LB. Feu. Foudre. Remplissage d'LB.
Ouais, j'allais dire, faudrait peut-être pas que je chaîne. Hein. Donc faire des dégâts de foule, c'est bon. Faire une LB, bon, au pire, de toute façon, on va faire tac. Et tac. Je pense que c'est quand même cover physique ici. Là, on va faire LB. Et ici, on break. Ini, ça a l'air vraiment... Oui, oui, oui. On va en parler juste après. Dans la prochaine vidéo pour les enchantements. Voilà, donc la mitigation, la cover physique et magique. Là, il n'est pas à 100% d'esquive. Il manque quelque chose. Donc, il pourrait mourir. Hein. Sachez-le. Bien évidemment, on... bah voilà. Vous voyez, mais vu les dégâts qu'il va faire le boss. Ça va être juste ridicule. Ah, c'est marrant, il se dispelle. Quel salaud! Et bah, c'est pas grave. On va rechercher le break attaque, le break défense. Je sais pas s'il y avait l'un des deux. Oui, parfait. Dégâts d'LB. Dégâts d'LB. On fait de la LB. On fait toujours de la LB. On se met en mitigation. Parce qu'on sait pas quoi faire à la fin de tout ça. LB, LB, LB. Qui n'a qu'une LB? C'est parti! Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Et ben voilà, ça c'est le full reward. Sachez que Rein est dans mes favoris. Personnage favori maintenant, c'est mon premier perso. Donc, c'est bon, c'est parfait, c'est terminé. Il y avait au final que des humains, enfin avec une bête en premier. Donc pas besoin de dragon. Moi qui visais dragon, mais au final non. Pas besoin. Alors, du coup, je n'estimerai pas... AKR, pas si worse que ça par rapport à l'arme de Cash Cloud. C'est un petit plus en rapport avec la TM si vous l'achetez avec le truc à 3000. Le fameux 10%, donc le full reward, je vous montre le stuff bien évidemment en fin de game. Avec malheureusement un petit oubli chez notre tank en 100% esquive, même s'il devrait changer. On devrait pouvoir modifier tout ça et avoir plus dans la prochaine fois. Avoir la possibilité de... De se restuff, en fait, pas plus, mais de se restuff en bulle normale, plutôt que de partir sur du 100% esquive. Et voilà, normalement, le 100% esquive, il est là, d'accord, avec Sigart. Le stuff habituel, HP, Def, SPR, pour lead. Pour ce qui est de Charlotte, de la résistance élémentaire, de l'HP, de la Def, de la SPR, toujours comme d'habitude, hein, avec la nouvelle Awakening Rain qu'on vient d'obtenir. Du stuff ici, hein, on récupère au fur et à mesure hein, du stuff pour la SPR, de la Def, de l'HP chez le healer. Et bien sûr, King Aldor Reign, je rappelle que c'est des pourcentages de dégâts d'LB. Il faut vraiment le stuffer comme ça. D'ailleurs, ici, vous pouvez remplacer par un 50% de trou de baleine là. Et remplacer le 100% de trou de baleine par la TM à 3000 lapi. C'est bien plus worse en termes de dégâts. Voilà, c'est tout pour cet extra stage. On va aller utiliser les tickets, nous, dans notre partie, bien évidemment. On a déjà fait la step pour aller récupérer King Aldor Reign. La suite, maintenant, c'est... bien évidemment, peut-être en récupérer d'autres. Des bisous YouTube, et à bientôt!